Pour créer un porte-manteau avec vos figurines, il vous faut un rouleau en carton épais avec une large ouverture, une planche peinte, des accessoires de peinture et un pot de la couleur de votre choix, de la colle à haute fixation, une scie à bois avec une boîte à baguettes et bien sûr vos petites figurines. Commencez par couper votre tube dans la boîte à baguettes avec une longueur d'à peu près 10 cm. Pour enlever les aspérités du rouleau, prenez un papier abrasif et frottez les bords du rouleau tel un morceau de bois. Voilà à quoi ressemblera votre pater. Il faut maintenant le peindre avec la couleur de votre choix, à l'intérieur et à l'extérieur. Une couche suffit si vous désirez garder le côté plus industriel du rouleau. Prenez maintenant votre planche à laquelle vous aurez mis deux fixations et placez vos trois rouleaux harmonieusement. Marquez leur emplacement avec un crayon. Puis prenez le premier et appliquez de la colle sur son bord. Repositionnez-le selon votre marque. Pressez fortement et faites la même chose pour les autres. Basculez la planche et pressez fortement pour bien coller les rouleaux. Si la colle déborde, vous pouvez toujours utiliser un peu de solvant ou l'enlever au cutter avant qu'elle ne sèche. Il ne vous reste plus qu'à placer vos figurines dans ces petites niches pour profiter un maximum de ce porte-manteau qui a des petits airs de bateau.